Bonsoir tout le monde, bienvenue. Si c'est la première fois que vous montez, pas bon ici, là, sous la maison. Pas oublier, au cas où vous faites ça, il y a un bouton subscribe en bas. Ou apaiser pour capable de connecter ensemble avec nous. Ok, ou apaiser ça, apaiser subscribe et apaiser cloche là. Maintenant, on parle. Et nous venons parler de, eh bien, John Bolton. Nous connaissons que Donald Trump a révoqué, monsieur, qui s'est, en fait, capable de tout sauver. En fait, c'est un général décoré qui a une formation militaire. En fait, monsieur a toujours gagné situation dépendamment avec Donald Trump sur plusieurs dossiers qui fait que Donald Trump est obligé de révoquer monsieur. Mais je vous dis à ça pour nous connaître, c'est que il y a un pile parole qui a parlé et que monsieur a dit il était ouébaï ça. Il était voué avertissement clair. Il a même dit que c'est un bagage droit dealer à régler là, bagage bandit. En fait, parole ça a sorti dans la bouche hier, Fiona Hill. Qui était Sandré, le conseiller de Donald Trump sur toutes les affaires qui ont rapport avec la Russie et l'Ukraine. Et lui-même, il confirme qu'effectivement, John Bolton, plusieurs fois, t'as dit, pas mettre pied dans cause et ça. Et ça, n'est pas fait là, son bagage est tête chargée. Ça veut dire que sous peu, n'a pas eu de John Bolton, qui a vu mettre de toi, kakacha dehors. Mais en tout cas, dame, non, il y a témoigné que le tap fait hier, il dit que, John Bolton a maintes reprises te dit le pinga. Nous voulons rappeler pour tout le monde que Donald Trump a fait face avec possibilité pour que effectivement président Sienta tombe. Chaque jour plus, il y a des témoignages concordants qui ont montré que tu gagné mauvais bagaille qui t'a fait. OK? Et vous pouvez comprendre que Donald Trump souvent et ensemble de monde qui travaille pour lui utiliser ou lui abuser. OK? Et en tout cas, c'est ça ancien security advisor lui John Bolton fait connaître. Et d'après des sources claires, pas oublier que dame nan était témoigné à porte fermée en secret hier en parlant de Fiona Hill. Mais ça dit, il dit que il pas caché que lui-même tout, l'ité ouais, dans l'activité que Donald Trump a mené dans sa qui vient avec l'Ukraine, que bagay ça pas clé. C'est un bagay qui pas légal. John Bolton te dit pressé, rapporte bagay ça, yo, bay, ça nous le John Eisenberg, lui-même job par l'ICE National Security Council Lawyer. Il dit c'est des séries de entité indépendant qui occupait des séries de bagages qui ont rapport avec sécurité nationale. Il dit John Bolton de deal, plutôt rapporte bagages ça ou bien entité ça. Témoignage d'âme dans tes faits hier là. Et il y a une preuve en plus qui montre que, effectivement, que nous t'assemblons nos bagages Watergate, tellement de bagages nouveaux, qu'à tomber sous histoire ça. Et parce que chaque jour, il y a des révélations qui approfondissent, qui montrent qu'effectivement, que Negro, c'est un coup monté au tap préparé. Et je dis que John Bolton était vraiment énervé. Un peu plus, elle était au courant de l'effort Rudy Giuliani dans le vent qu'il a fait pour que, effectivement, monsieur était passé. Ça allait bien. Rudy Giuliani, il passe outre de sa le département d'État. Et son gouvernement qui travaille pour que lui-même, personnellement, pour la faire des démarches avec l'Ukraine. Nous ne songez pas ça, monsieur est allé au niveau de l'ONU. Monsieur peut-être pas dans CNN, il dit oui, on est pour aller dans l'Ukraine. OK? Donc, il dit, en fait, c'est un monde que Bolton a grand pile problème avec. Parce que l'idée, monsieur, ça l'a fait à son complotage. OK, son complotage. Mais ça, exactement, John Bolton te dit, en parlant de Rudy Giuliani, il dit, Rudy Giuliani, nous considérons comme une grenade qui prête pour éclater dans mes noms là. En fait, c'est comparaison, Bolton, pas bien que Bolton sont général. Généralement, c'est un des messieurs qui ont un traitement militaire, il n'y a pas de faire des potes bail pour vous. Il y a des républicains, mais il y a des bagages sales, il y a des jobs sales, c'est des séries qui verticales. Il n'y a pas de faire des potes bail pour vous. Donc, il est considéré, Rudy Giuliani, tant qu'on y a une grenade
Kouken ben nan moun ki kapab blow, ki kapab eklate n'importe, nan moun n'importe le. Effectivement, c'est ça que fait là. En fait, c'est commentaire que Bolton de fait pendant que l'ité dans Maison Blanche. Et côté que le tab dit, mais j'en le présenté, monsieur Rudy Giuliani. Et, parce que pas oublier que c'est monsieur qui te dit lui-même, l'ité va justement en Ukraine pour l'aller chercher. Ouais, eh bien, ça a gagné sous dossier Ukraine, joint des séries de bagay sale sous Joe Biden. Et, je vais comprendre que John Bolton te parlé avec tout. Parce que, you know, moun yo cité dans bagay sa tout. C'est Mick Mulvaney qui se, justement, tandare les managers des ressources humaines. C'est monsieur, nous voulons parler de Mick Mulvaney, ensemble avec ambassadeur de l'Union Européenne, Gordon Sondland. Yo dit tout nèg sa yo mélangé dans complot ça. Nous voulons appeler pour vous Gordon Sondland, qui est le ambassadeur de l'Union Européenne. Généralement, gon bon moun yo le ambassadeur, de diplomate dans l'Union Européenne. Yo pa konn rien dans bay ça. C'est des de moun qui te bay cob, qui te financé, yo pa gen aucune expérience ni prend au bar job là. C'est un bagay qui reproche à l'Union Européenne. C'est li pas servi avec de série de monde qui compte job là qui gagne expérience qui font études qui avancent qui vient faire que gens de monde là au pouvoir yo passé outre des normes diplomatiques. C'est ça qui explique que on est pour ambassadeur de l'Union européenne pour un trop con en complotage comme ça. OK? Et là là yo t'a vinn parler avec Bolton de cause ça. Bolton dit moi-même pas nan bagay drug dealer. OK? Il dit m'balan ken drug deal avec sort land Mulvaney c'est yo k'ap fè bay yo parce que dou li rectiling li va nan bay ça parce qu'il considère ça nèg yo t'ap fè son bagay gang. C'est dit on va faire complot avec gouvernement de l'international monsieur dit ça bay gang li pa nan bay ça. OK, et pas oublier que sort land ça nèg les ambassade de l'Union européenne entre parenthèses parce que dou monsieur son nèg son d'honneur te ba en pile comme nan campagne bi dit mais job là. OK. Donc normalement monsieur tout li gagne pour li vinn et témoigner au niveau du Congrès. OK, et monsieur te dit que bon pas de grand rien que mal dans sa trompe tap fait c'est une chose. Et ça il te rapporte bon en fait yo gagne pour attendre. Bon bon monde pour attendre. Mais you know mon yo certainement yo attendre prochainement c'est Bolton et c'est véritable cauchemar Donald Trump. Bolton lui-même gagne pour parler. Parce que son équipe qui reptilie était déjà dit qu'on bonne bagaille qu'on va faire, il n'y a pas là-dedans. Il y a des séries de positions que j'apprends, il n'y a pas là-dedans. C'est ça qui fait que, eh bien, à la dernière minute, justement, Trump obligé de retirer monsieur parce que, point de vue, monsieur, et trouvé, justement, et diamétralement opposé avec point de vue de Donald Trump. Pas oublier que Donald Trump, et. Pendant tout le monde t'a regardé, il était même dit t'a avec qu'on a pour China à l'investiguer Biden. Monsieur pas prend peser mon. C'est des de grave lorsque le président va faire ce genre de demande. Donc Trump qui fait des déclarations qu'il est capable dit self destructive, des déclarations qu'a détruit tête, dit ça et pour la langue monsieur ça que monsieur j'ai ennemi. Parce que bon monde qui dans l'administration là. Alors par exemple sécurité nationale tellement passé moun donc tout moun sa yo leur évangile l'investigation yo gen pou yo di parce yo a trouvé nan ou même ennemi yo donc gon bon moun ki ka gen pou yo di et tout moun a quitté pa bien dernière date là c'est Kevin McCallum qui quitté li là son gouvernement chaotique côté que debout là dans AMT c'est gens pour été c'est pour obéir à tête baissée qu'on a pas demandé est-ce que qu'on est là yo pas réfléchi. Parce que le grand monde qui commence dans le jour, nous avons un ancien avocat dans la prison. Et d'après nous, le Goudi Gouliani, il met dans l'école là, monsieur dans le show, monsieur gagne fédéral l'investigation, monsieur qui prend prison très bientôt. Parce que après l'événement, ça a un bon qui a réfléchi. Et sous qui j'en pourrais comporter, yo, et lorsque Trump a pas passé ou des autres, des demandes, qui nécessairement des demandes qui peu orthodoxes, des demandes qui en dehors de la loi. Et que c'est eux-mêmes. Faut souvent qu'ils viennent bien pour payer pour casser alors que vous faites ce genre de choix. Et donc, attendons à Bolton souper au niveau de Capitol Hill
qui pral mette tout ça qu'on est dehors. Donc on vous dit que dossier a chaud chaque jour plus et démocratie ça a fait. Il a essayé de compiler autant de témoignages que possible. Autant de données possibles pour finalement aller voter pour un pitch là. Laisse ça vous voyez la chambre du Sénat vous dit maintenant mais nous et gain d'évidence qu'a accumulé eh bien et démocratie et des républicains au niveau du Sénat pour trouver dans ces petits souliers pour que il ne pas prononcer contre Donald Trump. Voilà, c'est un dossier à suivre, déroulement de destitution de Donald Trump. Nous en face côté que en pile témoin parlé hier, c'était Fiona Hill, ancien conseiller tout sur tout rapport qui gagne avec la Russie et l'Ukraine qui t'a parlé et Jean Nodou là bonne bagarre relevé qui Bolton lui même toujours dit bah ça après le passer mal. Effectivement, bah, la passe mal. Et je ne dis à tout nèg sa yo, par contre, qui simple pour yon rele, tellement que yon en chaud. Donc, je vais brancher dans la tout dernier update pour vous sur le dossier décision de Donald Trump, un dossier à suivre. Portez-nous tout bien.